Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est la Team Lucien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, update du serveur Sichland. Donc, je vais vous présenter le nouveau spawn et on va faire un tour au Canada où je vais vous présenter ce qui est en train de se passer au Canada parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, commençons tout de suite par ce magnifique nouveau spawn que j'ai fait avec Lori24 et moi-même, qu'on a fait nous deux, qu'on est en train de customiser et que Enes m'a un petit peu aidé aussi à faire. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous précise que je suis en train de filmer avec Camtasia Studio, donc la qualité est bonne, par contre il n'y a pas beaucoup d'FPS, donc ça je suis assez... je suis encore désolé pour ça, mais c'est vraiment la qualité que je préfère. Donc voilà, donc, Denis qui fait le show là dans le chat, est un peu con d'ailleurs. Donc voilà, donc commençons tout de suite par présenter le monde faction avec une nouvelle téléportation aléatoire, donc c'est le nouveau monde faction. Voilà. Donc j'ai été téléporté aléatoirement. Donc ici, le TP Ville. Voilà, le TP Ville que vous devriez connaître. Avec la petite musique de fond que vous entendiez, que vous entendez, qu'on a fait Lucas et moi. Donc voilà, ici, le staff technique. Plutôt voilà le staff tout court. Ici pour le moment il n'y a rien du tout, mais il y aura le... Oui, c'est un beau gosse lui. Il y aura le portail pour le PVP. Voilà, le PVP qui est actuellement fermé temporairement. Donc ici peut-être des mini-jeux prochainement. Donc ici d'ailleurs il faut que je remette les ressources. Voilà, donc c'est un endroit où vous pouvez builder, enfin builder, surtout vous pouvez prendre les blocs gratuitement. À part aux autres endroits, vous pouvez rien, vous pouvez pas griffe. Donc voilà. Donc maintenant, je vais faire une petite pause. On va se retrouver au Canada et je vais vous dire tout de suite. Attendez 2 secondes que je vous présente juste 2-3 choses. Voilà. Donc Xenox est en train de travailler sur un nouveau site Sichland qui sortira bientôt. Il y avait déjà le site sur la Team Lucien, mais là, on est en train d'en créer un spécial. Pour Sichland, attendez juste 2 secondes que je vous présente d'abord le Motel Resto, qui est un nouveau restaurant, enfin un nouveau hôtel, plutôt appartement, qu'on a fait avec Jérôme007. Donc là, il y a des tarifs. Donc ici, il y a deux chambres qui sont déjà louées par Nico et Théo, des nouveaux du serveur. Ici, une cantine assez basique. Il faut juste appeler un modérateur, enfin un OP. Ici, on a d'autres chambres. C'est vraiment pas mal, je trouve qu'on a géré. Regardez, voilà, c'est assez petit. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des petits freeze hein, quand je filme avec Camtasia, mais au moins il y a de la bonne qualité, hein, ça c'est clair. Donc je vais faire une petite pause et on va se retrouver quand je suis au Canada tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au Canada, donc avec le Warp. Donc on arrive ici sur cette plateforme qui est au-dessus du métro. Enfin, de la ligne de métro pour accéder au Canada. Ici, devant moi, j'ai la magnifique maison grise. Donc, j'ai fait vous montrer la ligne de métro. Qui relie donc Sichland au Canada. Et le Canada à Select City. Select City, ça fait partie donc du Canada. Mais là, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo. C'est vraiment une ville qui est assez... qui est là depuis longtemps sur le serveur. Donc, on va accéder à Canada City. Là où il y a les différentes maisons. Donc, voilà, Canada City. Ici, donc ici on a un petit parc, ici une maison qui est ici, donc une maison qui est en train d'être construite. On va se mettre en fly. Là, la maison de Lori24, ici une maison de DigiCrafter. Alors il y a pas mal de maisons. Là, il y a le Zénith qui est attendez, je vais y aller parce que je me souviens plus très bien. Je fais ça en vidéo. Alors là, il y a du brouillard parce qu'il y a de la pluie. Merde. C'est là. On va ressortir. Voilà, donc ensuite, on a... Donc, surtout, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que... en vous renseignant chez Xenox, vous pouvez construire vos parcelles... Enfin, vous avez des parcelles gratuites. Donc vous pouvez build gratuitement. Donc ici on a 3 maisons en construction. Donc ici la maison de Nico, de Théo, ou c'est soit Nico et Théo, je me souviens plus.
Et ici, Lolitia, je sais pas comment ça se prononce. Hein, voilà, donc vous pouvez build gratuitement, vous êtes en créatif, mais que dans votre parcelle. Donc voilà. Donc la maison grise que je vais pas vous montrer parce qu'elle n'est pas terminée. Et bah je pense que j'ai fait le tour. Hein, voilà, donc des parcelles. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Merde. On va mettre le beau soleil là, si ça commence à me saouler. Ouais, ici, on a une maison de Bruit 24, je crois. Ah non, Lolitia, c'est ça. Une autre maison de Lolitia. Donc, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que vous pouvez accéder au Skype de la team Lucien. Voilà, donc là, on va vraiment bien tout voir. Vous pouvez accéder au Skype de la team Lucien. Bah attendez, je vais vous le montrer. Quand vous allez au spawn, il y a une petite plaque de pression. Elle est là. Ah, vous marchez dessus. Et ça fait rejoindre notre convo Skype. Donc c'est un lien redirigé sur Internet. Voilà. Donc je pense que pour cette vidéo, les amis, j'ai fait plus ou moins le tour. Ici, une petite prison, Tigile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce magnifique spawn, de ce Canada aussi en construction qui est vraiment pas mal. Ça promet de bonnes choses. Donc voilà, Xenox qui vient de rejoindre. Xenox qui fait partie vraiment du staff technique, chef builder, voilà. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner, liker, commenter, partager, voir de dernières vidéos sur ce les amis. Je vous dis à plus et à très bientôt. Allez, bye bye.